بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساهرون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يقه الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن اصدق الحديث كتاب الله سبحانه وتعالى وخير هذه هذه محمد صلى الله عليه وسلم والشرار مهم محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخوة أخوات حياكم الله الحمد لله ونقوم بلوغ مهرام dans le livre de la zakat qu'on a entamé Et naam, on avait fait donc l'introduction et puis le premier point, le premier chapitre. On continue donc sur la zakat avec ce qui se titre « La zakat sur les camélidés, les ovins et les bovins hein, ». Pour donc les gens qui possèdent ces bêtes-là. Il y a un long hadith. An-Nas, anhu, il rapporte qu'Abi Bakr, anhu, lui écrivit lui écrivit, voici ce qu'il en est de l'aumône obligatoire imposée par le messager d'Allah aux musulmans, et qu'Allah a prescrite à son messager. Sur chaque troupeau de 24 chameaux et moins, on s'acquittera de brebis. On prélèvera une brebis pour cinq bêtes. Et sur un troupeau de 25 à 35 têtes, on prélèvera une chamelle d'un an révolu. Et si on n'en trouve pas, un chameau de 2 ans révolu. Puis, entre 36 et 45 têtes, on prélèvera une Chamelle de deux ans révolue. Entre 46 et 60 têtes, on prélèvera une Chamelle de trois ans révolue. Et entre, entre 60 et 75 têtes, on prélèvera une Chamelle de 4 ans révolue. Entre 76 et 90 têtes, on prélèvera deux Chamelles de deux ans révolue. Entre 91 et 120 têtes, on prélèvera deux Chamelles de 3 ans révolus. Pour plus de 120 têtes, on prélèvera une chamelle de 2 ans révolus pour chaque lot de 40 têtes. Non, une chamelle de 2 ans révolus pour chaque lot de 40 têtes. Donc, ça fait 3 et un C'est par, euh, par rapport, si en a 120 et plus de 120, on continue par rapport au lot de 40. Et une de 3 pour chaque lot de 50 têtes. Celui qui ne possède que 4 chameaux n'est pas tenu donc d'acquitter l'aumône sauf si leur propriétaire le souhaite. Concernant les ovins, pour le bétail, au pâturage, si leur nombre est compris entre 40 et 120, on prélèvera une brebis. Entre 120 et 200 têtes, on prélèvera deux brebis. Entre 200 et 300 têtes, on prélèvera trois brebis. Au-delà de 300, on prélèvera pour chaque centaine une brebis. S'il ne manque qu'une seule tête au nombre de 40, l'aumône n'est pas due. L'aumône n'est pas dû s'il manque ne serait-ce qu'une seule tête au nombre de 40. 39 ou moins. Sauf si le propriétaire le souhaite. Puis il dit, les bêtes séparées ne doivent pas être regroupées. Et celles qui sont regroupées ne doivent pas être séparées. Pour éviter de s'acquitter de l'aumône. Les propriétaires dont les troupeaux pèsent ensemble devront régler. Ensuite, leur compte entre eux, proportionnellement à ce que chacun possède. Hein? Les propriétaires... Dans les troupeaux donc pèsent ensemble, c'est-à-dire il y a un ils sont dans le même enclos. Ça fait donc un nombre de bêtes, ils doivent payer par rapport à ce compte-là. Puis ensuite, ils feront leur compte proportionnellement à ce que chacun possède. On le donne en aumône ni une bête vieille, ni borgne, ni un bouc, sauf si le collecteur l'accepte. Quant à l'argent, pour une valeur de 210 haram. On prélèvera un quart du dixième. Un quart du dixième. D'accord Un dixième de euh, 180. Dix, euh, de 200, excusez-moi. Le hadith est long et les écritures sont petites. J'ai sauté une ligne. Quant à donc de l'argent, ce qui entre guillemets, même s'il n'y a rien d'intéressant dans le din, mais va plus intéresser et concerner surtout, au-delà de l'intéressement, concerner nos frères et sœurs. Euh, peu de gens possèdent aujourd'hui des bêtes. Donc, peu de gens seront imposables sur cette chose-là. Par contre, l'argent. Quant à l'argent, pour une valeur donc de 200 dirhams, on prélèvera un quart du dixième. 10% de ça et un quart. Si la valeur n'atteint que 90 dirhams, l'aumône n'est pas due. 190, excusez-moi. 190 dirhams, moins de 200, donc l'aumône n'est alors pas due. Sauf si le propriétaire le souhaite. « Quiconque possède un troupeau de chameaux pour lequel il doit s'acquitter d'une chamelle de quatre ans euh, révolue, alors qu'il n'en possède pas, mais qu'il possède une de trois ans révolue, on acceptera qu'il donne celle de trois ans révolue, à laquelle il ajoutera en compensation deux brebis, s'il les possède, ou alors vingt dirhams. Quiconque doit donc s'acquitter en aumône d'une chamelle de trois ans révolue et qu'il ne possède pas, alors qu'il en possède une de quatre ans révolue, on acceptera qu'il donne cette chamelle de quatre ans révolue, au collecteur et qui lui rendra donc 20 dirhams ou deux brebis c'est donc des, des compléments et des arrangements par rapport à cela c'est la fin du hadith sahih rapporté par Al-Bukhari long hadith avec beaucoup d'explications beaucoup de détails également sur cela il y a un hadith beaucoup plus court rapporté par firmili qui est aussi authentique c'est Muad Ibn Jabal radiallahu anhu qui rapporte que le prophète, sallallahu alayhi wa l'envoya donc au Yémen, il est connu, hein, il lui ordonna de prélever pour tout l'eau de 30 bovins, un veau, ou une génisse âgée d'un an révolu, et pour tout l'eau de 40 têtes, une génisse de deux ans révolu. Le tribut dû pour tout homme pubère est un dinar, ou une valeur équivalente en vêtements, de ma'afir. Alors, maintenant qu'on a lu cela, on va passer aux explications qui sont nombreuses. Forcément, c'est assez rare dans ce qu'on a fait dans Bouloua Maram euh, au temps. On a 22 explications sur cela. Et effectivement, il y a beaucoup d'informations. Donc, l'enseignement des hadiths, il y en a deux. Cette lettre, non, que euh, Abi Bakr hein, a fait parvenir à Nas, elle fut dictée par le prophète. Elle fut dictée par le prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce n'est qu'après son décès, lorsqu'Abi Bakr fut investi du califat, qu'il dévoila cette lettre. Jusqu'alors, il y en c'était le prophète qui disait les choses. Et cette lettre-là, donc, euh, lui a été dictée. Il l'a conservée et puis il l'a fait sortir car après sa mort quand il fut calife. Elle était marquée du sceau du prophète. Elle était marquée du sceau du prophète et le sceau du prophète, pour ceux qui ne le savent pas, était sur sa bague. Il avait donc marqué hein, « Muhammad Rasulullah ». Elle était marquée du sceau du prophète « Muhammad Rasulullah » et c'est avec cela qu'il signait, on pourrait dire, les lettres. Comme pourrait dire aujourd'hui le tampon officiel, d'accord Donc, lorsqu'Abi Bakr envoya Anas ibn Malik collecter la zakat au Bahreïn, le Bahreïn, c'est un état qui existe toujours, il lui donna cette lettre en laquelle le messager d'Allah exposa ce qu'il en était de la zakat imposée aux musulmans. L'imam Ahmed a dit Je ne connais rien de mieux concernant la zakat. Rien de mieux, cette lettre. <laughs> Très clair. Ibn Hazm a dit Cette lettre est des plus authentiques. Le véridique, As-Siddiq Abibakr, la mise en pratique en présence des savants parmi les compagnons, et on ne connaît personne s'étant opposé à lui sur cela. Donc ça c'est par rapport à la source et l'authenticité de cette lettre. Puis il est dit l'obligation, on la voit ici, l'obligation de la zakat sur le bétail, au pâturage, que sont les camélidés, les bovins et les ovins. Donc il y a le dalil sur ça, pour ceux qui possèdent donc des troupeaux. Troisièmement, on y voit la valeur de la zakat pour chaque espèce, et le fait que le nombre minimal, entraînant le versement de cette zakat, ce qu'on appelle en arabe al-Nisab. En Al-Nisab, en c'est le seuil minimal pour payer, que ce soit sur des bêtes, que ce soit sur des biens, que ce soit sur de l'argent. On appelle ça le nisab On le voit donc ici pour les cam camélidés, ils sont de 5. Moins de 5, pas de zakat. 5 ou plus zakat. Alors qu'en fait, il est de 40 pour les ovins. Ça change. Ceci, Wallahu ta'ala est dû à l'équité et au nivellement dans la zakat. Puisque les chameaux sont coûteux. Leur nisraab est moindre. Alors que les moutons sont bon marché. On en a plus en général. Donc le nisraab est plus élevé. De cette manière, on tient compte du droit du riche et du droit du pauvre. Aïnaam. Question donc d'équité et de nivellement. Encore une fois, l'islam, c'est que ça. Troisièmement, ou quatrièmement plutôt. Ou quatrièmement. Pour que la zakat sur le bétail soit obligatoire, il faut certes que le bétail pèse. Ce qui pousse naturellement pèse, c'est-à-dire mange, soit dans le hein, pâturail. Dans le pâturage, excusez-moi, dans le pâturage. Non. <laughs> il faut que le bétail pèse dans ce pâturage. Et il faut qu'il mange donc ce qui pousse naturellement. Et non ce qui est planté par l'homme. Pour que la Zakat sur le bétail soit obligatoire, il faut que l'animal mange ce qui a poussé naturellement dans le pâturage. Non ce qui est planté pour l'homme toute l'année. Ou la plus grande partie de l'année. Et il faut qu'il soit utilisé pour la production laitière et la reproduction. Il faut que l'animal ait une utilité. Tu le fais se reproduire pour avoir d'autres bêtes. Ou bien, Yanni, tu lui tires du lait. Si ce n'est pas le cas, il n'y a pas de zakat sur cela. Si Yanni, ni il mange les choses de manière naturelle, que ce que tu lui donnes toi, tu payes pour le nourrir. Comme presque on pourrait dire animal domestique. Non, même si tu en as beaucoup. Il n'y a pas de lait. Tu ne tires pas de l'énarme de lui. Et il ne se reproduit pas comme ça. Il n'y a pas de zakat. Même si tu posséderais, nid euh, 5 ou 6 chameaux, par exemple. Hein Qui possède des chameaux ici <laughs> Mais c'est important de le comprendre. Cinquièmement, le nombre minimal pour les camélidés est de 5. Ensuite, une valeur est fixée jusqu'à 120. Et au-delà, on prélèvera une chamelle de 2 ans révolue pour chaque lot de 40 têtes, comme on l'a dit. Puis une de 3 ans pour chaque lot de 50 têtes. Entre deux tranches... L'excédent n'est pas compté. Par exemple, si on possède euh, 35 vaches, 35 vaches, on ne s'acquittera tout de même euh, que de ce qui est demandé pour un lot de 30. 30, 35, c'est la même chose. Hein? Ceci jusqu'à parvenir jusqu'à la tranche supérieure qui est de 40. Dans la 38, tu payes pour 30. Dans la 39, tu payes pour 30. Dans la 40, tu payes pour 40. Non, 42 pour 40, etc. Sixièmement, on voit le nombre minimal pour les ovins. Le nombre minimal pour les ovins qui est de 40. Les savants sont unanimes sur cela. Ensuite, une valeur est fixée jusqu'à 300. Puis au-delà, on prélèvera une brebis pour chaque centaine. Et c'est là la vie des quatre imams et d'autres parmi les rulèmes. Septièmement, on y voit donc le fondement de la zakat sur les bovins. Et elle se trouve dans la sunna et l'unanimité des savants. Quand on y sape, chéroul islam, quand on dit chéroul islam, naam. On dit donc chez l'Islam, Ibn Taymiyyah, na il a dit il est authentifié que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, euh, a été, donc, euh, a envoyé plutôt Mu'ad au Yémen, il lui, il lui euh, ordonna de prélever pour tout l'autre 30 bovins un veau ou une génisse d'un an révolu, et pour tout l'autre 40 têtes, une génisse de deux ans révolu. D'accord Et cher l'islam donc, a dit, la zakat sur les bovins n'est pas mentionnée dans la lettre de Bakr. » plutôt le hadith de, de Muad, hein? et celle de la famille de Omar, en raison de leur faible nombre dans le Hijaz, dans la région. Mais lorsqu'il envoya Muad au Yémen, là il lui a exposé la règle concernant les bovins, car on en trouve chez eux. Il n'y avait aucune utilité, hein? c'est pour ça qu'il explique ça, cher l'islam, aucune utilité à, à décrire quelque chose qui n'avait pas lieu. Ceci donc, alors que l'obligation de la zakat sur les bovins fait l'objet du consensus. Ibn Abd al-Barra dit Il n'y a pas de litige entre les savants pour dire que la zakat sur les ovins se pratique telle que mentionnée dans le hadith de Mu'adh, et c'est là le nisab sur lequel il y a unanimité. Non. Neuvièmement, si on trouve à la fois des moutons et des chèvres, on prélève la zakat de l'une des deux espèces en tenant compte de la valeur de l'ensemble des deux espèces, et il n'existe aucun litige entre les savants sur ce point. C'est-à-dire, si c'est mélangé, si ton, ton bétail, l'ensemble de ton bétail est mélangé. Tu comptes tout, mais tu te bases sur une seule espèce. Celle de ton choix, a priori, de ce qu'on voit ici. Dixièmement, quant à la parole, quant à l'argent, pour une valeur de 210 rames, on prélèvera un quart du dixième. Si la valeur n'atteint que 190, l'aumône n'est pas due. ou Utaimi a dit c'est une preuve de l'indulgence. En deçà de cette valeur et de l'obligation pour toute valeur supérieure. Et c'est là la vie de la plupart des savants et des trois imams. Tu possèdes tant, tu payes et un peu moins et tu gardes pour toi. 11 Onzièmement, il dit également, cher Islam, la référence est le dinar islamique. La référence, c'est le dinar islamique et il n'y a pas de délimitation de poids pour le dirham ou le dinar. Le nisab des valeurs est donc ce qui est reconnu à chaque époque qu'il soit massif ou mélangé à d'autres métaux, petits ou grands. Et Il n'y a pas de règle en cela. Ce qui signifie que le législateur et les califes bien guidés ont lié au d'ihram des règles. Et on ne peut détourner leurs propos vers une chose qui n'existait pas là où ils vivaient et à leur époque car ils ne la connaissaient pas. Qu'est-ce qu'il parle De quoi il parlent, cher Oulislam, quand il dit ça Cher en fait, il fait référence à la divergence entre les savants concernant la valeur à chaque époque, hein, du, du dinar, du dirham et d'autres monnaies d'ailleurs, ça a toujours changé. Les valeurs ont changé, hein. Et le dinar et le dirham est mentionné dans les textes. Donc, qu'est-ce qu'on fait Il faut tout d'abord bien comprendre que les savants parlent du dinar d'or et du dirham d'argent. Ce sont des monnaies qui ont de la valeur. Ce sont donc des métaux qui fixent la valeur de la monnaie. C'est pas la monnaie comme nous aujourd'hui, les pièces, elles ne valent rien, le billet ne vaut rien. À la base, hein, vous dinar. Dirham, c'était une monnaie, mais surtout parce que ça avait de la valeur en soi. Des métaux qui fixent la valeur de la monnaie. Donc, pour Chirul Islam, ce qui doit être pris en compte à toute époque, et hein, ce qu'on va nommer un dirham d'argent, quel qu'en soit le poids, c'est ça qu'on prendra en compte, puisque celui-ci a varié. Un dirham d'argent, c'est un dirham d'argent. Bon, évidemment, nous, ça ne nous concerne pas, ce n'est pas notre monnaie, mais pour les pays qui l'utiliseraient, un dirham d'argent, c'est de l'argent. Un dinar d'or, c'est un dinar d'or. Quel qu'en soit le poids. Puisque de toute façon, ça a varié. On ne va pas commencer à dire. Avant, il faisait tant de grammes, maintenant tant de grammes. on va grammes. Non, c'est un, c'est une unité. Ainsi, à l'époque du prophète, certains diarames pesaient 6 euh, dawan C'est le pluriel de daaniq. Une unité de mesure équivalent à environ à 0,500 grammes. Ou pour être plus précis, environ à 0,496 grammes c'est léger, hein. donc 6 dawan, donc 6 fois entre guillemets 0,500 grammes. Pour la majorité des savants en tout cas, c'est ce qu'ils disent concernant les dirhams de l'époque du prophète, et d'autres pesaient 6 dawan Et lorsque Abdel Malik ibn Marwan fut au pouvoir, il unifia le poids et il fixa entre les deux à 7. Tous les dirhams faisaient le même poids. Bien après l'époque du prophète, Aïssalat wa donc avant, c'était aléatoire. Et à l'époque, pour la majorité des savants, ce qui doit être pris en compte, c'est le poids. Car les unités de mesure n'ont pas changé. Donc il faut regarder combien pesait le dinar d'or hein, ou le dirham d'argent à l'époque du prophète. Et wussalam, puis effectuer une conversion pour en connaître la valeur dans la monnaie actuelle. Non. Et ça, quand on cherche à savoir, quand on possède ce genre de choses, il y a des gens spécialisés et aptes à nous expliquer cela. Wallahu subhanahu wa ta ta'ala alim. Voilà ce qui est pour l'explication. On continue. Il y a sa parole aussi. Si la valeur n'atteint que 420 dirhams, l'aumône n'est pas due. Ça ne signifie pas que si on possède un peu plus, mais moins que 200, par exemple 195, l'aumône est dû. Non. Mais il s'est contenté de ne mentionner que les dizaines. Il a donc mentionné 490, ou 190, excusez-moi, pour indiquer qu'une aumône n'est due. Qu'en deçà de 200. Mais en fait, si tu as 199, tu ne payes pas non plus. Hein? Même 199,5, je dirais. Hein? C'est qu'à partir de 200, on pourrait dire. Treizièmement, sa parole, wa sallam, via la lettre en tout cas, on ne donne en aumône ni une bête, ni borgne, ni un bouc, sauf si le collecteur l'accepte. Ça indique que le gouverneur doit donner des indications religieuses au collecteur sur ce qu'il accepte ou non. Ou qu'il doit envoyer avec eux des étudiants en sciences religieuses afin qu'ils leur expliquent les règles de zakat et qu'ils agissent avec clairvoyance. Non. c'est, on voit ici c'est une affaire assez complexe à zakat. Au-delà de ce que nous on peut verser, etc. Quand on rentre sur ce genre de domaine, c'est une affaire. Il y a un qui mérite d'être étudié. Les règles de la zakat sont complexes. Non. donc on va nous nous facilite l'étude de cela. Quatorzièmement, la permission en cas de nécessité seulement. Ici de s'acquitter de la valeur de la zakat. Et non de ce qui doit être versé spécifiquement. En hmm remplacement. Sinon, la règle est celle énoncée dans le Hadith. Hein. Prends le grain pour le grain, le chameau pour le chameau, la vache pour la vache, le mouton pour le mouton. Ça, c'est la base. <coughs> un halif rapporté par Abidaoud, d'ailleurs. Mais en cas de nécessité, si on ne peut pas donc s'acquitter de la valeur de la zakat, dans, sa, dans son essence, on versera un remplacement. Quinzièmement, on y voit aussi sa parole. Les bêtes séparées ne doivent pas être regroupées. Et celles qui sont regroupées ne doivent pas être séparées pour éviter de s'acquitter de l'aumône. Ça indique l'interdiction du stratagème, visant à se décharger d'une obligation ou comprenant une chose <coughs> illicite. Le prophète alayhi wa sallam, a dit qu'Allah maudisse les juifs. Lorsqu'Allah leur interdit les graisses, ils les ont fait fondre. Puis ils les ont vendues et ont consommé le fruit de leur vente. Ils ont rusé, en fait. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim suhadis Ils ont rusé. La graisse est interdite. On dit, on va pas prendre la graisse comme ça, on va la faire fondre. Ils pensent pouvoir ruser Allah gel Quelle folie. Après, ils ont vendu ça. Très bien. Ils ont récupéré de l'argent. Très bien. Ils ont consommé le fruit de leur vente. Très bien. C'est du feu tout ça. Puisque c'est du haram. Il y a des gens aussi qui essayent comme ça aujourd'hui. Ouais, je vais me marier, mais il fait pas les choses dans l'ordre. Il veut la baraka. Il fornique avec la fille comme ça, il reste avec elle. Après, oui, mais on va faire comme ça. On s'aimait. Il y avait des sentiments, je vais ruser. Puis après, il improvise comme ça, comme ils disent, un halal. Faut faire les choses bien, faut vraiment se repentir. On ne peut pas... Y a pas de ruse possible. Et j'ai pas ici, ou well, alhamdoulilah d'ailleurs, <laughs> beaucoup de ruses qui me viennent en tête, mais les gens essayent beaucoup de ruser à notre époque. Je vais plutôt faire comme ça, mais ça, ça ressemble à ce qui est demandé, ou ce que je... Non, ce que je devrais faire, ou... Non, ce que je devrais, devrais pas faire. Non. Ils essayent d'imiter, c'est de l'imitation. Non. Faut de l'authentique. Il faut être vrai, il faut être sincère et, et véridique. Non. Hein, je... Autre chose, par exemple, comme, euh, les pieds, euh, nah, on met les pieds dans le lavabo pour bien se les laver jusqu'aux chevilles. Et puis la soudain, c'est de passer le petit doigt, je le dis, hein, l'auriculaire, entre les doigts de pied. Et un, et un ils font comme les chites. C'est, un ils prennent de l'eau, du robinet avec les mains et puis ils se les étalent après sur les pieds. Ça, c'est pas un rassage de pied correct pour faire le rôdeau, je le dis. On met le pied dans le lavabo, on le rince bien, on le nettoie bien. Nah. Les Russes, donc, sont multiples, comme ceux qui pourraient dire, je vais faire exprès de voyager, d'aller une certaine distance pour ne pas jeûner ce jour-là. Allah sait qu'il Donc, on y voit ici hein, l'interdiction du stratagème visant à se décharger d'une obligation, que ce soit ceci ou cela. Comme je vais des exemples. Par exemple, ici, il est cité un homme qui possède un troupeau de 40 moutons à Riyad. puis un autre troupeau de, un autre troupeau, pardon, de 40 moutons ailleurs. Al-Qasim, par exemple. Il possède donc deux fois 40 bêtes. Il a 80 bêtes. Il devra s'acquitter de deux bêtes en aumône. On est d'accord par rapport aux règles. Mais. Il dit, tiens, je vais les réunir en un seul lieu, pour n'avoir à s'acquitter que d'une seule bête. Il aura donc réuni ce qui était séparé, pour éviter de s'acquitter de l'aumône des deux. Et cela n'est pas permis. Ou si quelqu'un possède le Nisraab de chameau, de vache ou de mouton, et alors qu'une année s'est presque écoulée, hein, il voit que l'année s'est presque écoulée, il dit, je vais bientôt devoir payer à Zakat sur ça, il en vend, juste avant. Ou il en sacrifie, hein, pour échapper à la Zakat. Pour échapper à la Zakat, hein. Pas il en vend parce qu'il a besoin d'argent, ça c'est autre chose. Pas il en sacrifie un parce qu'il doit en sacrifier Non, non, pour échapper dans la là Allah connaît mieux les poitrines, pour échapper à la zakat. C'est le vice, c'est pour échapper à la zakat. Par exemple, quelqu'un qui aurait les économies, c'est pareil. Mais il doit les dépenser parce qu'il a quelque chose à faire. Il n'y a pas de mal. Il y a quelque chose à faire, ou il y a une dette à régler, non, il n'y a pas de mal. Il n'y a aucun mal euh, en cela. Même si la zakat, le versement de la zakat approche l'année, c'est presque écoulé. Mais l'année s'est presque écoulée, il reste une semaine, il dit Tiens, je vais donner, ou il y a un euh, parti comme ça pour ma famille, ou bien je vais m'acheter quelque chose, etc. Il va comme ça vite dilapider en fait l'argent pour ne pas avoir à payer la zakat. Ça, c'est pas correct. Hein. Allah sait quelle est la, la NIA, vraiment le, le contexte. Est-ce que c'est une fuite pour payer la, la zakat Il dit J'ai mes économies, j'ai pas envie de payer, ou est-ce que vraiment il avait un besoin Non. Donc celui qui fuit l'obligation. Cela n'y met pas fin pour autant. Il a fui l'obligation, mais il est toujours redevable. Il devra toujours donc de s'acquitter de sa zakat. Puisque le stratagème n'a pas d'effet, l'obligation demeure. De même que le péché de la commis. Donc la personne a le péché. Et en plus, elle doit continuer à, à, euh, à payer à zakat ou à faire une autre chose. Hein, une autre chose. Quelqu'un qui fuirait la, la, la prière, ou alors qu'on sait qu'on doit prier même avec simplement les yeux ou autre. Non, il n'y a pas d'échappatoire de, de, pour ça. Mais une personne qui essaierait de fuir quelque chose, une obligation, elle aura son péché, mais l'obligation continuera d'exister, de toute façon. Non. On termine avec le dernier point. De 16 à 22, Inch'Allah, Charles Le collecteur doit prendre ce qui est médian, non ce qui est meilleur, afin de ne pas être injuste envers celui qui s'acquitte de la zakat. Et non plus ce qui est vil, afin de ne pas être injuste envers ceux qui méritent la zakat. Sauf si le propriétaire veut s'acquitter de ce qui est meilleur, et cela lui appartient. D'ailleurs, dans les bêtes, il y a toujours des bêtes qui sont meilleures. Non. Meilleure de fourrure, meilleur de lait, meilleur de, 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 de santé. Non. Le collecteur, il doit être dans le juste milieu. Dans cadre médian. Non. Il n'est pas injuste envers le, 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 celui qui s'acquitte de la zakat il n'est pas injuste envers les, les pauvres. D'accord À part si le propriétaire veut donner ce qui est de meilleur. 17e, l'interdiction. On y voit ici l'interdiction de donner en zakat la bête âgée, décrépite ou présentant un défaut. D'accord Sauf si tout le nisab est ainsi. Si tout le nisab est ainsi, tout le seuil, toutes les bêtes hein, qui doivent s'acquitter, elles sont âgées, elles décrépites et elles présentent un défaut. Dans ce cas-là, il n'y a pas le choix. C'est compté comme une, 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 une zakat. Mais si c'est prélevé uniquement à la bête âgée, décrépite, présentant un défaut, hein, Là, c'est une injustice envers ceux qui mériteraient la zakat. On leur donnerait du, du mauvais. À part s'il n'y a pas le choix, à part s'il n'y a que ça, on ne peut pas en vouloir. Non, ben, c est, tous sont trop bels comme ça, on ne peut rien faire. Non. Dixièmement, si les bêtes sont montées ou utilisées pour labourer, il n'y a pas de zakat sur cela. Comme le chameau, la vache et toutes les bêtes de labour. Toutes les bêtes de labour, il n'y a pas de zakat dessus. C'est les outils de travail. Quel qu'en soit le nombre. Car elles ne sont pas en pâturage, comme on l'a vu. Elles ne pèsent pas. Par contre, si ces bêtes sont louées, la zakat est obligatoire sur le bénéfice de la location. Si une année s'écoule après avoir perçu le prix de la location. Vous voyez, encore une règle sur ça. Non. 19. On y voit la permission d'associer le bétail en dehors de tout autre bien. Et l'incidence que cela peut avoir sur l'obligation. L'omission, l'augmentation ou la diminution de la zakat. Car cela est considéré comme un seul et même bien. Chacun doit donc posséder ses bêtes. Mais ils doivent aussi être associés en cinq choses. Les bêtes doivent être associées en reproduction, en herbage, en lieu de trait, le fait de traire, de récupérer le lait notamment, en lieu de pâturage et en lieu d'enclos. Si la valeur commune là, de ces bêtes qui sont euh, réunies sur ces cinq points atteigne, si la valeur plutôt atteint le nisab, l'obligation de la Zakat s'applique à l'ensemble des associés, pour ceux qui hein, joignent leurs bêtes. Associés dans le bétail et chacun donc doit s'acquitter de la part qu'il possède, hein, dépend de la part qu'il possède. Chacun paiera bien sûr ses propres comptes, mais on associe tout le tout le bétail. Quant à l'argent massif, quant à l'argent massif, ce qu'on appelle un à son il est fixé à une valeur de 200 dirhams d'argent. 200 dirhams d'argent, et on a vu hein, une histoire de poids, et on s'acquitte donc du quart du dixième de la valeur en zakat. Je suis mauvais en mathématiques, mais pour autant, et on le sait, ça, donc, donc donne, ça, donc, euh, ça va donner donc du 2,5%. Euh, hein, comme on connaît. Le euh, 10%, hein, 10%. Le quart du dixième, c'est quoi C'est quoi le quart du dixième 10% et le quart, 2,5%. Donc 2,5%. Hein, c'est ce qu'on connaît aujourd'hui sur euh, l'argent, la monnaie, l'arme. Quant au demi, le demi, c'est celui qui est sous le pacte de protection, hein, le juif ou le chrétien qui vit en terre d'islam, on ne lui prélève pas la zakat, car cela n'est valable qu'après avoir embrassé l'islam, c'est une adoration. Mais on prélève, eux, un tribut d'un dinar pour tout homme pubère, ou sa valeur en vêtements ou autre, c'est l'impôt, hein, qui est connu chez eux, enfin, pour eux. Il est connu que la valeur du tribut diffère selon les situations. Il peut être à une période d'un dinar, et parfois moins, en fonction de la croissance économique, car si cet homme est faible, lui imposer d'acquitter un dinar est difficile et inversement. Quant au pauvre, qui ne peut s'en acquitter, rien ne lui est imposé, hein, même parmi les vimmi. Les, les Vous voyez encore une fois, hein, pour ceux qui doutent de la sagesse et de la bonté de l'islam, en vérité, les juifs et les chrétiens vivraient mieux en terre d'islam que dans leur propre société, au niveau de tout ce qu'ils auraient taxé, comme ils sont traités, etc. Hein. L'islam, c'est que de la miséricorde, même envers ceux qui ne sont pas de cette religion. C'est pas Et 22e, et pour terminer, et le cours. Et ce chapitre, on y voit la permission, lorsqu'on ne trouve pas de bête de l'âge demandé, de donner une bête plus jeune ou plus âgée, en versant le complément ou en percevant la différence de valeur. Si c'est une bête qui est plus jeune une bête plus âgée en fonction de ce qu'on gagne ou de ce qu'on perd. « Wa Allah subhanahu ta'ala a'lam wa ahkam, subhanaka humma wa bihamdik, ash'hadu an la ila astaghfiruka wa atubu barakallahu fikum. Et on poursuivra la fois prochaine avec un nouveau chapitre. Les lieux et temps de collecte de la zakat. Les lieux et les temps de collecte. encore Wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.